Allez dans la cité de l'Europe, regardez, jour de l'Aïd, regardez comment c'est sale. Regardez, le ménage n'est pas fait depuis une semaine. Regardez l'ordre, ils sont infestés de cafards, de punaises, ils tiennent même pas. Ça tient même pas. Regardez l'ordre. Ils tombent. C'est incroyable. Et lui, ça a été réhabilité. Regarde ici. Regarde, tu vois. Mais ça a été réhabilité. Ça a été réhabilité à combien de temps? Il y a 2 ans. Tout ça c'est neuf. Regarde le calvaire des gens quand ils rentrent chez eux. Tu vois, regarde les gens, ils rentrent chez eux du boulot, le soir, 1h, 2h du matin, écoute la porte. Regarde. Toute la journée, paf, regarde, les gens ils sont obligés de mettre ici. Regarde, viens voir. Mettre des morceaux de moquette pour adoucir la porte, pour que le choc il soit moins dur. Et ça marche même pas, on a quand même entendu le bruit encore. Regarde, toute la journée. Incroyable. Regarde le sol, regarde comment c'est. Tu vois. Regarde, jour de l'Aïd, tu sors de chez toi, regarde tous les détritus. Tous ces détritus, c'est dû à quoi? Je t'explique, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont dire, ouais, mais les gens, ils jettent les papiers dehors, nanay. Ok, les poubelles, ils sont là. Les Roumains, ils viennent, ils les ouvrent, ça craque les sacs, ça fouille dans les sacs. Avec le vent, tout est éparpillé un peu partout. Et voilà, regardez les poubelles comment elles sont. On dirait qu'on a un appli. Déjà, tu sors de chez toi, le premier truc que tu vois, c'est ça. C'est ça, regarde les mouches. Regarde là, avec la chaleur, l'odeur que c'est un fait. Regarde même quand ils ramassent l'herbe. Regarde. Ah, quand on dit les cachets sont délaissés, voilà. Regarde quand ils ramassent l'herbe, même quand ils ramassent la pelouse, ils jettent les sacs d'herbe ici dans les encombrants. Regarde les encombrants. Regarde comment c'est. Tu vois? C'est sale, c'est crâne. Regarde le tri. Tu vois, nos Emmaüs ont fait le tri. Tu vois? Regarde le tri. Il est fait aux Emmaüs. Mais personne vient de trier. Tu vois? C'est comme ça. Ça fait 6 mois, c'est comme ça. Tout le monde s'en fout. Regarde les poubelles bleues. Tu vois? Regarde les poubelles bleues. Ah, le tri, il est fait correctement. Le tri, il est fait, mais personne vient de ramasser. Tu vois? Tout le monde s'en fout. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre en pleine dignité? Est-ce que c'est normal que ça soit comme ça? Mais je fais le tour de toute la cité, c'est partout pareil, il y a des endroits qui sont encore pires, c'est une honte. Aujourd'hui c'est la fête de l'Aïd, les gens ils reçoivent leur famille, ils reçoivent leurs amis, ils reçoivent des invités. C'est un moment de fête pour tout le monde. Comment on peut laisser les gens vivre dans cette condition là? C'est honteux pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de dignité. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a honte de recevoir les gens, on ne veut même pas recevoir le jour de l'Aïd. Tu te rends compte? Et même les autres jours de l'année. Alors voilà. Calmons-nous, la révolution est en marche. Franchement, le dernier mot qu'on va dire, c'est quoi? C'est on va jamais désespérer, on va jamais baisser les bras, on continuera à se battre coûte que coûte. Au revoir. Au revoir.